Les yeux rivés sur son écran, une technicienne de conduite est informée d'un dysfonctionnement sur le parc de Fontenelle-Montby dans le Doubs. Immédiatement, elle vérifie tous les paramètres pour déterminer si l'installation doit être arrêtée, redémarrée ou testée à distance. Dans ce dernier cas, 15 minutes suffiront pour résoudre le problème. Quelques instants plus tard, elle reçoit une autre alerte. Cette fois, il faut déclencher une intervention sur un parc éolien dans le Languedoc. Moins de 2 heures plus tard, une équipe de maintenance est déjà à pied d'œuvre. Le diagnostic tombe. Il faut remplacer des chaînes de freinage d'une éolienne qui s'était mise en sous-production. Nous sommes ici à Colombier, dans l'Hérault, dans la salle de conduite d'EDF Énergie Nouvelle. 24 heures sur 24, une soixantaine d'ingénieurs et de techniciens optimisent la performance de 100 parcs éoliens et de 50 centrales photovoltaïques en Europe. Ils s'appuient sur un réseau de centres d'exploitation maintenance pour intervenir plus rapidement et optimiser au maximum la productible disponible. Le centre de Colombier est une illustration du savoir-faire d'EDF en matière d'exploitation maintenance des centrales d'énergie renouvelable. Une expertise qui demain portera sur l'éolien offshore avec le développement de parcs au large des côtes françaises pour un mix énergétique davantage décarboné. Nos solutions pour le climat.